Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le 24 avril 1856, sous le Second Empire, à Cauchy-la-Tour en Artois, que naît Philippe Pétain dans une vieille famille de cultivateurs. Il a 17 mois quand sa mère meurt après la naissance de son cinquième enfant. Son père se remarie. Philippe grandit sous la conduite plus attentive de sa grand-mère paternelle et d'un grand-oncle maternel, Philippe Lefebvre, ancien militaire devenu abbé. La sensibilité de cette grand-mère, témoin des duretés des guerres révolutionnaires et impériales, alliée aux souvenirs éblouis des campagnes effectuées avec Napoléon par ce grand-oncle original, forge le caractère du futur officier. Parallèlement, il fait de bonnes études et reçoit une solide instruction religieuse de son oncle maternel, l'abbé Legrand. À 14 ans, il est avec tous ceux de sa génération, témoin de la défaite de 1870, et ressent la blessure infligée à la fierté nationale par l'amputation du territoire et l'humiliation de la proclamation du Grand Reich à Versailles même. Son choix est fait, il embrassera la carrière militaire. À 20 ans, Philippe Pétain est admis à Saint-Cyr. Après une première affectation à Villefranche-sur-Mer, où il apprend son métier d'officier au contact de la troupe, il est promu lieutenant en 1883 et demande à servir au 3e bataillon de chasseurs à pied, fixé à Besançon. Breveté de l'école supérieure de guerre en 1890, il y assure, en alternance avec diverses affectations de terrain, un cours de tactique remarquable par sa concision, son réalisme et la conscience précise de ce que seront les guerres futures qu'il expose avec autorité et qui le font surnommer « Précis le sec ». Parallèlement, il affiche une indépendance qui déplaît à l'état-major et aux hommes politiques de l'époque. Outre ses considérations d'ordre militaire en opposition avec les théories officielles, il refuse de se soumettre à des ordres injustes. Ainsi, à l'injonction qui lui est faite à l'école de guerre de dénoncer les officiers qui vont à la messe, lui qui n'y va pas répond « Étant au premier rang, je ne puis vous les désigner ». De même, il refuse de serrer la main de Louis André, ministre de la guerre, de ce gouvernement violemment anticatholique, issu de cette majorité qui veut la séparation de l'Église et de l'État, ordonne les inventaires, c'est-à-dire le pillage légal des églises, rompt les relations avec le Vatican, chasse les religieux ou les oblige à prendre l'habit laïque. Ces religieux expulsés retrouveront la France et leur liberté avec l'État français en 1940. Enfin, parce qu'elle vient du secrétaire de ce même ministre, il refuse une promotion de colonel en 1904 et attendra jusqu'en 1909 pour atteindre ce grade auquel il est bloqué jusqu'en 1914 à la déclaration de guerre. Il a alors 58 ans.
Dès les premiers mois de guerre, meurtriers et révélateurs de graves carences et erreurs de ses gouvernements, il se révèle un chef d'exception. Promu général de brigade et investi de responsabilités de plus en plus importantes, il gravit tous les grades, devient chef de corps d'armée, est cité à l'ordre de l'armée et fait officier de la Légion d'honneur. Ceci dès le 12 octobre 1914, soit moins de 3 mois seulement après le début du conflit. La suite de la guerre confirmera les qualités et la valeur du général Pétain qui, de colonel retraitable qu'il était en 1914, finira la guerre commandant en chef de l'armée française, poste auquel il est nommé le 15 mai 1917. Le réalisme du paysan, la lucidité du professeur de tactique de l'école de guerre, alliés à une connaissance des hommes, de la troupe, en font un chef efficace sur le terrain et aimé de ses soldats. Voici ce qu'en dit l'un de ses pairs et contemporains, le général Edmond Buat, mort en 1923, qui notait dans son journal quotidien, à la mi-mai 1915, « Le général Pétain est un de ces officiers que l'appel laissait traîner loin en arrière des politiciens de carrière à culottes rouges ou noires. Un de ces officiers que tous les militaires, en revanche, apprécient à sa juste valeur et que la guerre, enfin, vient de mettre à sa vraie place. » Parti au début de la campagne comme colonel, commandant par intérim d'une brigade, le voici général de brigade, général de division, commandant de corps d'armée, officier puis commandeur de la Légion d'honneur, et tout cela gagné, on peut le dire, à la pointe de son épée. C'est lui qui a pris Carency, Ablain, Neuville. C'est lui qui aura Souchez. Il mène tout cela avec son calme habituel et sa connaissance approfondie des trois armes. Avec aussi l'absolue certitude que la guerre actuelle se fait bien plus à coups de canon qu'à coups d'hommes. Et le 26 février 1916, apprenant sa nomination à Verdun, le général Pétain est arrivé sur place et prend les affaires en main. Je compte qu'avec les troupes qui lui arrivent en plus du 20e corps, il va remettre là-bas tout en ordre. Le successeur du général en chef, c'est simple, le général Pétain. Le général Pétain, parce qu'il a réussi partout dans les limites de ce qu'il avait annoncé, parce qu'il sera naturellement regardé comme celui qui a rétabli les affaires de Verdun, compromises par d'autres. Le 23 août 1918, Philippe Pétain reçoit la médaille militaire, cette décoration destinée aux soldats et sous-officiers, la plus prestigieuse des récompenses pour les généraux ayant commandé en chef. La citation précise « a toujours fait preuve dans tous les commandements exercés durant la guerre des plus belles qualités morales et techniques, qu'il vient de s'acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale pour avoir brisé la ruée allemande et l'avoir refoulée victorieusement. C'est la seule décoration que portera habituellement et jusque dans son cercueil celui qui reçoit aussi le bâton de maréchal dès le 19 novembre 1918. C'est en 1916 que Philippe Pétain, appelé le 25 février à la tête de l'armée,
chargé du secteur de Verdun, acquiert l'immense popularité qui en fera le sauveur de la France pour les combattants de cette Première Guerre mondiale et la nation tout entière. Qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre, affirmaient les poilus. C'est au cours de cette bataille dont l'écho retentit dans le monde entier et qui fit de lui une célébrité reconnue, visitée, consultée, que Philippe Pétain s'est forgé la réputation de plus humain des chefs. En effet, à Verdun, depuis son quartier général installé à Souilly, où, de février à décembre 1916, passèrent plus des trois quarts de l'armée française, soucieux du sort du poilu, face au plus grand pilonnage d'artillerie que l'histoire ait connu jusque-là, il rend le moral aux troupes qui, grâce aux mesures prises pour adoucir et humaniser leur quotidien, vont lutter, souffrir, mourir jusqu'à la victoire. À Douaumont, lors d'une visite officielle le 21 septembre 1929, le général Pershing, commandant en chef de l'armée américaine, déclare « Ceux-là seuls qui savent la sollicitude de votre cœur peuvent mesurer le fardeau des angoisses qu'il a supporté. Aucun de vos soldats n'est tombé sans que leur chef n'en ressente une blessure et le masque impassible qui cache vos sentiments a couvert une peine constante et sans répit. » À ces mots, on ne peut s'empêcher de penser à Jeanne d'Arc qui, tout à l'ardeur de sa mission, affirmait « Je n'ai jamais vu couler le sang français que les cheveux ne se dressent sur ma tête. » C'est sous les murs même de la ville martyrisée qu'est fait grand croix de la Légion d'honneur celui en qui tous saluent le vainqueur de Verdun. En 2016, pour le centenaire de la bataille, parallèlement à une manifestation sacrilège organisée au milieu du cimetière de Douaumont, les autorités ont voulu évincer totalement le nom même du maréchal Pétain de Verdun, lui contestant son rôle déterminant en lui opposant les généraux Nivelle et Mangin qui lui ont succédé à Verdun à partir d'avril 1916. C'est oublier que si Pétain quitte le théâtre d'opération à cette date, c'est pour prendre le commandement de l'armée du centre dont dépend la 2e armée à Verdun, où les généraux qui lui succèdent obéissent à ses ordres, appliquent ses options tactiques, tout en pérennisant la célèbre noria de la voie sacrée, toutes conditions qui permettent de remporter la victoire après ces 11 mois de guerre. C'est oublier surtout que ce sont les poilus eux-mêmes et le pays tout entier qui lui ont décerné ce titre de vainqueur de Verdun et sauveur de la France. Non seulement pour son action alors incontestée à Verdun, mais compte tenu de toute la guerre, et notamment de la terrible année 1917, où Nivelle, renouant avec la stratégie de l'offensive à outrance et si meurtrière au chemin des Dames, provoque des mutineries. C'est dans cette situation de crise qui touche plus de la moitié des régiments français et compromet gravement l'issue de cette guerre qui dure depuis 3 ans, c'est encore à Pétain, récemment promu général en chef, que l'on confie le soin de la juguler. Son humanité et son sens de l'honneur parviennent à rétablir le moral des troupes qui va préluder à la victoire finale. Enfin, précisons la clairvoyance politique en même temps que militaire du commandant en chef à la fin de cette effroyable guerre de 14-18. En août 1918, il préconise une grande offensive en Lorraine qui repousserait l'armée allemande jusque sur son propre sol où lui serait infligée une défaite justifiant la fin du conflit et les conditions indiscutables de la paix retrouvée. La cessation immédiate des hostilités y est préférée par la seule volonté des politiques et la lassitude des états-majors, donnant ainsi tous les arguments d'une guerre inachevée par trahison de leurs élites à une Allemagne subjuguée qui défiera l'Europe entière et les alliés pourtant victorieux à peine 20 ans plus tard. Prévoyant ces conséquences funestes, le maréchal, homme réputé impassible, en pleurera devant le généralissime Foch, qui en témoignera plus tard, regrettant son erreur de ne pas l'avoir écouté. Si la der des der, comme l'unanimité des Français voulait que fût cette guerre de 14-18, n'était qu'un slogan pour certains, c'était une réalité pour Pétain.
Philippe Pétain est au fait de sa carrière. C'est la reconnaissance, la gloire et la consécration militaire et civile. Déjà commandant en chef de l'armée, il en est nommé inspecteur général le 18 février 1922. Un dangereux mouvement de rébellion au Maroc pousse le ministre de la Guerre à demander au maréchal de prendre la situation en main. Promu commandant en chef au Maroc en juillet 1925, Pétain, alors âgé de 70 ans, assure la victoire française dans le Rif, dont le chef, Abdelkrim, fait sa soumission le 29 mai 1926. Le 18 septembre 1927, il préside à l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, dont il est fait et reste encore à ce jour le président d'honneur. Le 22 janvier 1931, il est reçu à l'Académie française par Paul Valéry. Dans cette période de l'entre-deux-guerres, marquée par l'instabilité gouvernementale et malgré les nombreux scandales de cette Troisième République, Pétain accepte de participer au gouvernement d'Oumergue, de large Union nationale, au lendemain des émeutes du 6 février 1934. Il est nommé ministre de la Guerre. Son souhait était d'être ministre de l'Instruction publique. Mais ce gouvernement tombe aussi, et le maréchal, constatant l'impéritie de politiciens animés par leur seule passion partisane, refuse de faire partie d'un autre gouvernement. Le 6 avril 1935, lors de la remise de la Légion d'honneur à l'École supérieure de guerre, il prononce un discours important, insistant sur l'importance de l'aviation et des blindés dans un conflit futur. Il a bien compris que la guerre à venir ne ressemblera pas à la précédente, mais il sait aussi que les gouvernements ne veulent pas consentir aux efforts budgétaires nécessaires. Avec l'avènement du Front populaire en 1936, qui soutient les républicains dans la guerre civile espagnole, la France se divise, les passions se déchaînent. Au gouvernement nationaliste du général Franco, vainqueur, reconnu le 27 février 1939, la France envoie le maréchal Pétain comme ambassadeur. Léon Blum déplore dans le journal Le Populaire que l'on envoie, dit-il, au Caudillot, ce que nous avons de mieux. C'est à ce poste que le trouve la déclaration de guerre en septembre 1939. Auréolé d'une gloire incontestée, objet de la reconnaissance de la nation tout entière, c'est tout naturellement qu'il est le recours d'un gouvernement aux abois et le soulagement des 40 millions de pétainistes que se révèlent être les Français du peuple du désastre en 1940. À l'instant où la France subit la plus grande défaite de son histoire, le 16 mai, Paul Reynaud, chef du gouvernement, demande au maréchal Pétain d'en prendre la vice-présidence. Il déclare à la radio : le vainqueur de Verdun, celui grâce à qui les assaillants de 1916 n'ont pas passé, celui grâce à qui le moral de l'armée française en 1917 s'est ressaisi pour la victoire, le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid où il a rendu tant de services à la France. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. La situation s'aggrave de jour en jour. Le 10 juin, le gouvernement déserte la capitale, Reynaud démissionne, le président de la République fait appel à Pétain. Bien qu'âgé de 84 ans, soucieux cette fois du sort de chaque Français, le maréchal accepte de devenir le chef d'un État vaincu, humilié, occupé. Il fait à la France le don de sa personne. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
C'est dans ces conditions terribles qu'il va prendre toutes les mesures nécessaires pour adoucir les conditions de vie des Français, tout en préservant l'honneur et l'indépendance du pays et œuvrer à refaire de la France la grande puissance qu'elle doit être, délivrée des asservissements qui l'ont conduite à cette défaite. Il signe l'armistice qui épargne tant de vies, les douleurs et les souffrances liées à la guerre et qu'il connaît bien. Fort de l'unanimité populaire et de l'approbation de la représentation nationale par le vote du 10 juillet 1940, il rompt avec une politique néfaste et dont le pays tout entier subit les conséquences douloureuses. Il installe le gouvernement à Vichy, lui-même résidant à l'hôtel du Parc. Il fonde l'État français. Il remplace les faux principes de liberté, égalité, fraternité par sa devise « travail, famille, patrie ». Son organisation, énoncée dans les principes de la communauté, constitue le programme de révolution nationale préconisé pour retrouver grandeur et prospérité. Malgré les conditions d'une rigoureuse occupation, la lucidité et le pragmatisme du vieux chef sont tels qu'il parvient à remettre le pays en marche. Aujourd'hui encore subsistent près d'une centaine des réalisations de l'État français. S'il est admiré par tous les Français, comme en témoignent tous les documents de l'époque et jusqu'à la fin de l'occupation, il est haï par tout ce que compte l'anti-France. On n'a pas oublié son mépris et son insoumission pour des chefs et à des ordres, ferment de division entre les Français. En 1945, les libératueurs sont redevenus maîtres de la politique par le jeu des partis. Ils font condamner Philippe Pétain, maréchal de France, chef de l'État, à la peine de mort, commuée en détention à perpétuité, qu'il subira pendant 6 longues années dans des conditions infâmes au fort de Portalais, puis à l'Île-Dieu. Aucune humiliation ne sera épargnée à l'homme, un vieillard de 89 ans, au maréchal de France.
de l'arrestation au procès, où il reste silencieux pendant toute la durée des débats, déclarant simplement en clôture « Au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. Ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse, pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains, mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France. » Philippe Pétain est emprisonné. Brimades et mesquineries sont désormais son quotidien. Visites interdites, interdiction de voir la mer, strict nécessaire matériel. Enfin, plus vieux prisonnier du monde, il meurt le 23 juillet 1951, à 95 ans. Personnes se pressent derrière cinq évêques, le général Végan et de nombreux officiers pour assister aux obsèques d'un condamné à mort. La France entière s'en émeut. À Paris, la ferveur populaire spontanée mobilise des milliers de personnes. Une croix de fleurs de plusieurs dizaines de mètres est étendue à l'Arc de Triomphe. Le bourdon de Notre-Dame retentit. Cela n'arrivait qu'à la mort des rois de France. Ses dernières volontés ?
être enterré à Douaumont, au milieu de ses poilus. Cela lui sera refusé, lui est toujours refusé à ce jour. Monsieur le maréchal, vous avez deux fois sauvé la France. Vous l'avez sauvée et restaurée spirituellement et moralement, en lui faisant retrouver ses fortes traditions de foi, de travail et d'amour de la famille et de la patrie. Tant qu'il y aura des cœurs français dans notre pays, nous en faisons le serment. Vous irez à Douaumont, selon vos dernières volontés. Vous serez intégralement réhabilité. Vous recevrez le titre de père de la patrie. Maréchal, nous voilà. Maréchal, toujours là. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, maréchal, nous voilà, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, maréchal, nous voilà, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra, renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. Et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère.